l'effet Alors, je suis en train H2O. de faire un autre trou en dessous de la roche et où ce qu'il y avait un boulot qui est plus là depuis un moment. Pas loin de mon autre trou qui était ici que j'ai renterré. À seulement un pied et demi, deux pieds de distance. Et ça sert à rien d'être trop loin puisqu'ici ça rapporte. Alors, oui, je vois le même type de roche de départ. Les grises et vertes sont jolies en plus. Bon, je vais m'en emmener pour le souvenir. Je vais me faire un sac des roches de cette rivière. Comme un sac, c'est ça. Des lacs, là. Les mettre dans des sacs. Les mettre au tumbler, dans des sacs à part. Mais je pense pas que le corindon roule. Que j'arrive à le sauver dans le tumbler. J'ai de la misère habituellement à les former. Alors, je vais creuser un peu, puis je vais voir. Je vais faire un autre passoire. Alors, cette deuxième poche, c'est un vrai sac à surprise. Je sais pas tout ce que c'est, là, mais... Je pense que je vais tout emmener ça à la maison pour nettoyer ça. J'en ai jeté un peu. Là. Ça, j'ai jeté. Ça, je vais jeter. Ça, je vais jeter. Ah, ça. Ça, c'est joli, ça, regarde. À focusser. Il est transparent, il est brillant, ça ressemble à un corindon. Une forme peut-être pas. Hein? Ça peut être une agate, hein? Ça y ressemble, hein? Une petite agate. Hein? Un quatre ou un quartz? D'habitude, c'est des quartz, mais là, il y a une poche d'argile, peut-être. Allez. Et c'est l'heure. Et bientôt, 8 heures. Je vais me garder ce trou-là pour plus tard. Ça, c'est un cadeau. Hein? Oh! T'es bien d'animal en dessous de ça. C'est beau. J'entendais des sons des fois derrière moi, puis probablement là. Alors, je veux pas trop m'aventurer, ça pourrait être une moufette. Alors, pour le français, une moufette, c'est un putois. Il y a une cachette.
ça fait longtemps que c'est là. Ça n'a pas été apporté par l'homme. Hein? Ah, ça pourrait être intéressant de creuser en dessous de ce gros rocher-là. Oh oui! Oh oui! Des nuages stylés. Oh, c'est deux cornes. Alors, je m'en vais à ma montée Costco. Et au revoir. Souhaitez-moi bonne chance. À la prochaine. S'il y a une suite, c'est parce que je suis encore vivant. Tout va bien. Bye. Ah, qu'est-ce que c'est? Tout ce tour-là, ça va vers le nord. Et elle ne revient pas. Au nord. Bye-bye. Merveilleux. Ah, je suis bien. Je suis bien. Alors, j'ai énormément recherché sur Internet et très peu trouvé d'informations, autant dans les dossiers du ministère que sur Wikipédia ou sur d'autres sites sur les minéraux. J'ai fait le tour. Alors, cette roche, ce serait une roche qui a été formée par la pression et la glace qui a frotté dessus, avec de la chaleur en dessous, parce que je vais vous démontrer ça. Alors ça, ce serait notre glacier. Alors, au nord, partout sur l'Amérique du Nord, enfin, il y avait d'énormes glaciers très, très lourds de des milliers de tonnes qui appuyaient sur la croûte terrestre. La roche ici, avec les strates, représente la croûte terrestre. Alors, ça faisait une énorme pression qui a causé de la chaleur dans la croûte terrestre, voyez? Et ça l'aurait même déplacé à certains endroits, créant des failles, comme sous la rivière Arikana. Il y aurait eu une faille. Et ça a créé une forte chaleur. Donc, à ce moment-là, le glacier a descendu encore plus vite et a fondu, créant une très forte friction. Oups, attendez, non, ça marche pas comme je voulais. On va aider un peu les circonstances des choses. Alors, ce que je vais vous montrer, voilà, c'est que la roche a descendu très vite à cause de la chaleur. Alors, mon glacier serait supposé de descendre très vite en le faisant chauffer par le dessous. C'est parce que là, je ne suis pas en dessous. Alors, s'il chauffe en dessous, ça crée de l'eau et de la vapeur, et pouf! Il se met à frotter très vite. Et le frottement crée aussi la chaleur. Alors, c'est la glace, par son poids, par sa pression, qui a créé, en fait, la chaleur. Et donc, ce ne serait pas nécessairement une faille, mais c'est le glacier en descendant qui a créé cette chaleur, qui a créé
des roches qui sont lisses en leur surface. On les voit là, autour de la rivière. Il y a des grosses roches comme ça, lisses en surface, qui présentent des dessins. J'appelle ça des dessins. Hein. On voit des belles lignes, des traces blanches comme ça ici, comme la cire. On voit très bien le magma fondu, la roche fondue. Ça fait une forme de cire. Comme ça, on voit les petites lignes noires, tout ce qu'il y avait en dessous, hein, la cendre, le sable, l'argile qui a fondu et qui peut avoir aussi créé des roches transparentes à certains endroits. Comme ça. Alors, c'est une strate à la base, comme qu'on voit la roche stratifiée, mais qui, à la chaleur, s'est transformée en une roche qui est d'apparence cireuse. Alors, j'espère avoir pu vous expliquer ça. J'aurais pu faire un dessin, mais j'ai voulu m'amuser un peu avec des accessoires. Alors, on voit très bien ici les détails. Alors, cette roche, non, n'est pas du tout ordinaire. Alors, le trou, c'est probablement un cristaux qui est tombé. Un autre roche ici, il y en avait plusieurs. Je ne les ai pas toutes emmenées, mais je les trouve très belles. Et regardez les dessins. C'est un gris bleuté avec des trous, des taches noires et du foncé et du pâle. C'est le mélange d'argile qui s'est fondu à la bauxite. La bauxite, c'est la pierre magmatique. C'est le manteau fondu. Ça, c'est ça, de la bauxite. Et ça ici, c'est quand que elle est en contact avec l'eau. Et ça, il y en a énormément. Ça crée du gobo. On appelle ça du gobo. Et c'est un mélange d'opale basique avec du bauxite. C'est des bauxites qui ont des petits trous d'air, qui ont fait des bulles de la mousse. Et là, ici, on voit encore plus de gobo. J'ai plusieurs roches comme ça dans ma collection personnelle. Et ça ici, c'est la première fois que j'en voyais des comme ça. Tu vois, c'est la forme cireuse que je vais vous montrer de surface. Alors, c'est la cristallisation de cette première pierre qui contient des lignes aussi et des trucs blancs. Alors, ça, c'est ma définition, c'est mon idée de ce que je trouve, parce qu'on voit les mêmes dessins ici, vous voyez, les trous noirs avec des taches blanches à l'intérieur et tout ça. Alors, est-ce que c'est du corindon? Je ne sais pas. Ça pourrait, mais c'est un corindon qui est mélangé à l'argile, probablement. C'est une impureté, mais ça fait quelque chose de tout à fait joli. Alors, peut-être c'est d'une forme de jadéite aussi, je ne sais pas. Alors, faudrait-je vérifier au niveau atomique, enfin, au niveau des minéraux, la composition minérale, qu'est-ce que ça nous donne pour mieux l'identifier, en fait. On pourrait dire que c'est un corindon impur dans l'argilite, mais je le trouve vraiment joli. Hein. Moi, je trouve pas ça impur. C'est très beau. Alors, des pierres comme ça, je vais me ramasser quelques-unes et probablement les laisser à la ville pour une exposition. Je trouve ça vraiment très intéressant. Alors, je vais continuer mes recherches pour aller plus loin et générer une petite collection de pierres pour expliquer un peu, que quelqu'un vienne expliquer ou que ce soit expliqué à quelque part. Moi, je suis pas spécialiste, mais j'espère que ça va pouvoir débuter un petit projet juste en apportant peut-être cette collection de pierres de la rivière avec une interprétation géologique. Alors, je vous montre d'autres types d'espèces de pierres que j'ai ramassées, mais c'est pas des d'autres types, hein, c'est le même type, mais avec des transparences différentes, de parfaitement opaque à de plus en plus opalisé, cireux et translucide. On voit encore les lignes noires, les petites taches blanches. Alors ici, c'est ce que j'ai récupéré. Je vous les montre enfin tout lavé. Et ils ont été tournés dans le tumbler avec un peu de sorbe afin de décoller l'argile en formation d'argilite. Une argile qui pop sur les doigts, mais qu'il faut peser et gratter fort pour l'enlever. Et ça, c'est des pierres que j'ai déjà vues dans la nature, ceux-là, dans les environs. Il y en a souvent proche des ruisseaux, justement, qui sont reliés à la rivière. Je ne suis pas sûr de si c'est déjà des hits ou d'autres choses. Sont impurs, hein, ils ont des taches de rouille, mais c'est pas grave, c'est très joli. Et on voit ici une autre forme de cette même pierre, avec des traces peut-être de sable ou de matière de bois à l'intérieur, des petites taches brunes, des petites taches noires, des petites taches blanches, des petites taches ferreuses. Un autre ici, un peu moins joli celui-là, et plus
abrupte avec des petites taches de rouille. Dans cette poche-là, il y avait du fer. Ce morceau-là, je l'aime bien. Donc, ça, c'est la partie qui a été en contact avec le glacier, moi je dirais directement avec le glacier, mais qui ensuite, en étant proche de l'eau pendant longtemps, et la glace, parce que ça c'est au nord, hein, alors les saisons qui se transforment et tout, ça l'a cristallisé. Un peu comme un bois, ça serait fossilisé, mais là ça serait pas du bois fossile, ce serait de l'argile fossile cristallisée. Ici on a l'opale, c'est comme le summum. Ça c'est arrivé par la suite, avec la pression des saisons, de la rivière et de la montagne autour, ce n'est pas lié à la chaleur. Ils se sont formés dans le froid et dans l'humidité, en fait. Alors, elles sont jeunes, c'est des opales impures. Ça n'a pas de valeur financière, mais ça a une grande valeur au niveau scientifique, puis au niveau d'un collectionneur comme moi. Alors, c'est des. C'est bien d'avoir des opales provenant de cette région, qui sont probablement uniques. probablement le seul à en avoir de cette rivière, mais il y en a probablement beaucoup. Donc, mais je veux pas que les gens viennent creuser en grand nombre pour essayer d'avoir des opales. Ça vaut environ 1 dollar pour les trois ensemble, peut-être même pas. Alors, ça vaut pas la peine, il faut les laisser se développer encore, pour qu'elles deviennent belles. Alors peut-être que dans 1000 ans, 2000 ans, ça va être des belles opales. Alors là, pour l'instant, c'est bon de les avoir pour montrer, oui, il y a des opales dans le nord du Canada aussi. Il est arrivé un grand malheur et c'est de ma faute, entièrement de ma faute. J'ai jeté la plus grande partie de cet épisode et en plus c'est la meilleure de l'épisode, oui, parce que c'est là que je trouve les trois petites opales. On les voit sortir du sable et à ce moment-là, je les appelle des granites. Heureusement, je les ai pas relancées. Je les ai pas pitchées dans l'eau. Alors, c'est ça. J'ai fait une grosse gaffe. Ce qui arrive, c'est que je mets mes épisodes d'avance en ligne, mais je les mets privés pour vous laisser le temps de regarder le reste. Et à chaque jour, je fais du montage. Puis, en faisant ça, ça m'a mélangé. Alors, j'ai pas mis la bonne épisode en ligne. J'avais mis la 3 alors qu'elle était déjà. Mais je ne savais pas. Alors, ça, c'était la 4. Alors, moi, pour faire de la place dans mon cellulaire, parce que je travaille avec mon cellulaire, j'ai supprimé une épisode. Puis là, j'ai dit, ouais, attends, ben, je vais être sûr avant de supprimer. Je vérifie. Et c'est ça. C'était pas l'épisode 4 que j'avais en ligne, c'était la 3, et donc j'ai supprimé des parties de l'épisode 4 pour faire de la place dans mon cellulaire alors qu'elles n'étaient pas encore en ligne. Bon, sur ça, je vais vous montrer les petites opales. Elles ont été un peu sablées, hein. Alors, je les ai un peu sablées parce qu'elles sont très. Sont couvertes de... Oh, le bruit chez le voisin. Là. Donc, ça sèche vite au soleil. Hop. Alors, je les ai travaillés un petit peu de Dremel. C'est fragile les opales. Il faut être très prudent quand on les. Et ça sèche vite, vite, vite. J'ai encore un peu d'eau dans mes mains. Alors
là, aujourd'hui. Tu vois, avant hier, il neigeait. Aujourd'hui, c'est du gros soleil. Alors, voilà. C'est à peu près ça, la couleur. Hein. C'est du beige. Avec un petit peu de vert gris et du rose. Alors, j'ai encore de la poussière sur moi, ça, je viens juste de les nettoyer un peu au Dremel. Alors, vu que j'ai perdu cette grande partie de fichier, et que là, vous avez pas vu, mais l'épisode que j'ai tourné hier, j'ai pas sorti grand chose du sol, en fait. Fait que là, le fait que je détruis en plus cette partie-là où ce que je trouve des opales, ça m'a découragé. J'ai pas envie d'y retourner. Je suis pas très motivé en ce moment. Il va falloir que je fasse une suite. Là, j'y pense, mais faut que je me trouve de quoi qui va me motiver pour finir cette série. Bon, c'est plate. Hein. Il suffit de perdre quelque chose comme ça, surtout un tournage. Surtout quand c'est les tournages dans le temps, hein, je veux pas les mélanger. J'ai pensé mettre les dernières vidéos que je viens de faire, celle d'hier avec celle de l'épisode 4. Là, ce que j'ai tourné, c'est l'épisode 5 hier. Et bien là, je dis non, je peux pas. Moi, je veux vraiment que ce soit la journée-là. Je veux pas mélanger les scènes. Puis non, j'ai l'impression de mentir en mélangeant des scènes. Alors, fait que c'est ça, bon, c'est peut-être la seule chose que j'ai trouvé d'intéressant, c'est ces trois petites opales-là. En tout cas, je vous envoie l'épisode 5 plus tôt, pour me faire pardonner. Elle va sortir plus tôt, elle va sortir demain. Pas là où je parle, demain, de la journée où vous allez voir cette vidéo-là. Donc, dans quelques semaines pour moi. Mais je vais vous le sortir plus rapidement, aussitôt que je vais sortir elle, vu qu'il y a moins de choses dessus. Je vais vous sortir la suivante. Et il va y avoir une suite de l'épisode 10. Là, l'épisode 5, ensuite, ça va être demain. Et ensuite, l'épisode 6. Et l'épisode 6, ça va être différent. Il va y avoir quelque chose de différent. Ouais, c'est ça. À chaque expédition, OK, je fais des expéditions, moi, de qui durent 4-5 heures. En tout cas, celle d'hier a duré 4 heures, mais il y en a qui ont duré une heure. Bon. En gros, c'est entre 1 heure et 5 heures, mes tournages. Moi, 2 heures, pas 1 heure. Entre 2 heures et 5 heures. Et, qu'est-ce que je voulais dire? Chut, vous me déconcentrez! Donc, c'est un tournage, c'est entre 2 heures et 5 heures. Et ce que j'ai fait, je me rappelle ce que je voulais dire, c'est que il y a deux épisodes qui représentent une sortie. Une journée. Donc, là, celle-là, la 4... La 4, elle représente une journée aussi. C'est ça. Fait que la suivante, ça va être une journée suivante. Faut pas vous mélanger. Fait que, vous voyez, la 1 puis la 2, épisode 1 et 2, c'est le même jour. Épisode 3 et 4, c'est le même jour. Et ensuite, 5, c'est une autre journée. Et 6, probablement, cette journée-là aussi. Donc, la 7, ouais, c'est ça. La 7, ça va être une autre sortie. Parce que je peux pas faire des épisodes de 2 heures. Je sais que vous les écouterez pas. J'ai déjà fait des épisodes d'une heure. Personne ne les écoute. C'est trop long. La moyenne d'écoute, c'est 5 minutes. Les gens sur YouTube, ça zappe. Hein, ça zappe. Puis, il y a beaucoup de petites vidéos qui durent quelques secondes. Parfois, hein, des fois une minute, tu go back. Il y a beaucoup de grands YouTubers qui font des vidéos de 5 minutes. Moi, je suis comme, il y a où le travail? Alors, moi, je suis plus genre old school, la vieille école, c'est que je veux faire, même si c'est amateur, je travaille fort. Je veux faire une exploration qui dure, puis quand vous regardez un épisode, c'est 30 minutes, un épisode, un film, une heure. 45 minutes, une heure 20. Alors, quand je fais un long tournage, ou tu sais, c'est ça, des courts-métrages, long tournage, mais c'est pas des courts-métrages, non. Des fois, je sors des petites choses, là, c'est des vidéos bonus, OK? Fait que, c'est ça. Fait que, j'espère que vous me pardonnez d'avoir jeté l'épisode 4 en grande partie. C'est la grande partie de l'épisode 4. Et c'est ça. Alors, je remplis avec du blabla. Mais, ouais, je voulais montrer les petites opales aussi.
Alors, j'étais content d'avoir vu les petites opales. Ça m'avait beaucoup motivé à l'épisode 4.